Ouais, c'est un équilibre de vie. Pour moi, aujourd'hui, le CrossFit, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Ça m'a permis d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une bonne hygiène alimentaire, de découvrir énormément de choses. Tu vois, l'impact que peut avoir le sport sur ma santé, de prendre conscience de ce que mon corps était capable de faire. Voilà, c'est vraiment un équilibre de vie. Et j'ai envie de pouvoir aussi, tu vois, donner aux gens cette possibilité de connaître ce que moi j'ai pu découvrir aussi avec le CrossFit. Donc oui, aujourd'hui, c'est une grande, grande part de ma vie. Oui. I made it here with endurance. Nicotine with no insurance. I'm mixing Molly and liquor for social events. It's the only way through it. I overthink, it's a hobby. I never learned how to copy. Being yourself isn't all that you thought. Niggas gonna still put your ass in a box. Je m'appelle Anne-Laure Coutanceau, j'ai 36 ans. Je suis co-honneur de CrossFit Valkyrie avec deux de mes associés et amis depuis janvier. Voilà. Sinon, je travaille pour deux amis aussi qui sont kinés aujourd'hui, qui ont une société qui s'appelle Training Therapy. Je travaille avec eux depuis peu sur toute la partie administrative et puis développement de l'entreprise. Voilà, j'ai deux petits chats avec qui je passe beaucoup de temps et qui sont super important dans ma vie, et puis bon, voilà, rien de plus. Mon parcours sportif, alors j'ai commencé la danse très jeune, quand j'avais 3 ans, et j'ai pratiqué aussi de l'équitation. Alors j'ai commencé un peu plus tard, j'ai commencé quand je devais avoir 6-7 ans, et j'ai arrêté pareil quand j'avais 14 ans à peu près. Voilà, et puis après j'ai arrêté le sport pendant longtemps. Et puis après, j'ai commencé le CrossFit en 2016. Donc j'ai une copine qui commençait vraiment à s'intéresser au CrossFit, qui voulait absolument qu'on essaye. Et donc à l'occasion d'un voyage à Paris pour aller voir un ami, nous a calé une séance d'essai dans une box parisienne. Pas de chance ce jour-là, je suis tombée sur le carène. Voilà, malgré ça, j'ai quand même voulu recommencer, malgré que je n'ai pas marché pendant 3 jours suite à cette séance, parce que je faisais vraiment plus de sport. Et donc du coup, c'est comme ça que ça a pris. Alors ça, c'était vraiment une première séance d'essai, et puis derrière, juste à côté de chez moi, à Saint-Nazaire, il y a une boxe qui a ouvert quelques mois plus tard. Et puis du coup, avec la même amie, on s'est inscrite là-bas, et puis c'est là que tout a commencé, quoi. Alors ma catégorie en adaptive, c'est la catégorie upper. Donc du coup, c'est tout ce qui va concerner les handicaps de haut du corps, notamment sur les bras. Donc que ce soit amputation ou restriction de mobilité ou voilà des agénésies au niveau des doigts, des bras, voilà. L'histoire de mon bras, c'est simple, hein. Je suis née comme ça, donc pour moi ça a été facile, hein, L'acceptation du handicap est toujours compliquée parce que c'est une démarche personnelle, mais par contre tout ce qui va être adaptation au quotidien, c'est quelque chose qui a été facile pour moi parce que j'ai appris à vivre avec. Donc j'ai pas eu tout au long de ma vie de difficultés, tu vois, voilà, ça a été les premiers apprentissages que j'ai faits, je les ai faits comme ça. Donc voilà, pour moi c'est plutôt quelque chose qui est facile. Après, t'as quand même toute la démarche d'acceptation qui forcément prend du temps et qui est propre à chacun. Moi, je sais que j'ai eu des difficultés, tu vois, quand j'étais plus jeune. Mais en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est les difficultés qu'on se met nous-mêmes. Donc ça, après, moi, je l'ai appris avec l'aide de mon entourage et puis une aide psychologique également, tu vois. Je le cache pas, hein, que voilà, j'ai consulté quand j'étais plus jeune parce que il y a des choses que j'arrivais pas à comprendre et à expliquer. Et du coup, ça m'a vachement aidé et ça m'a aussi permis de passer un cap dans l'apprentissage et dans la gestion de mon handicap. Alors je m'entraîne 5 fois par semaine,
2 séances quand je peux par jour. Après, ça dépend du volume qu'il y a aussi dans les séances et puis bah, forcément du temps que j'ai avec le boulot. Mais c'est vrai que voilà, dans l'idéal, 2 séances 5 fois par semaine. Et puis bah, un petit peu de piscine à côté. Quand j'ai le courage, je vais courir un peu aussi. mais ouais, voilà, c'est principalement ça. Alors mon alimentation, c'est quelque chose que je suis depuis quelques années maintenant, parce que bah forcément pour la performance sportive, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc j'ai été suivie par Coach Mims, notamment sur les derniers mois, pour une prise de masse, qui a bien fonctionné d'ailleurs. Je la remercie. Mais voilà, bah, je compte tout ce que je mange par jour. Je traque. Alors, je traque pas au cookie près. Il y a des périodes où je suis moins attentive. Alors, moins attentif, ça veut pas dire que je ne compte plus. Je compte systématiquement ce que je mange, mais tu vois, si, voilà, tu vois, l'échéance, elle est encore un petit peu loin, donc je peux me permettre, tu vois, de faire quelques écarts. Et plus on va se rapprocher de l'échéance, moins je vais me permettre de faire des écarts. Je me couche à heure fixe. Je me lève à heure fixe, que ce soit le week-end ou la semaine. Et ça m'aide vraiment beaucoup pour la récup. Après voilà, bon, il y a toujours des petits deltas, tu vois, de 20-30 minutes, mais je suis au lit à la même heure et puis j'essaye de l'optimiser au maximum. Ouais. Mes points forts en CrossFit, je bouge vite. Ça c'est quelque chose, c'est un vrai point fort. Après en termes de mouvement, bah, je vais dire la gym suspendue, même si aujourd'hui c'est quelque chose que je travaille beaucoup et en vrai c'est hyper frustrant quand je me compare aux valides. Mais par contre si voilà, je me compare aux personnes de ma catégorie, on va dire qu'effectivement c'est un point fort. Les points que je dois bosser, mon mental, ouais, ben ouais, ça c'est ma bête noire. C'est vraiment quelque chose qui est c'est récurrent, c'est le plus compliqué, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition. Je travaille beaucoup. Ouais, je me suis fait aider aussi par un préparateur mental parce que j'avais pas les clés, j'étais démunie. Donc, mais c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est toujours compliqué, c'est toujours un combat contre soi-même, quoi. Donc, mais ça s'entraîne. Mon objectif pour cette année, bah, de gagner les Games. c'est vraiment quelque chose de. Enfin voilà, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé cette année. Le premier déjà, c'était de m'y qualifier, forcément. Chose faite. Voilà, le deuxième, ouais, ce serait vraiment de pouvoir monter sur la plus haute marche du podium, ouais, parce que 2 fois troisième, c'est bien. C'est un peu frustrant, donc ouais, c'est vraiment l'objectif. Mon meilleur souvenir en CrossFit, c'est la dernière épreuve aux Games de la première année, donc de 2021. C'est vraiment, en fait, bon, je vais raconter un peu l'histoire, parce que je fais vraiment des Games très compliqués parce que psychologiquement, j'ai du mal, je me mets beaucoup de barrières et du coup, je fais vraiment une deuxième journée très très compliquée. Je pleure toute la journée, je suis vraiment pas bien sur cette deuxième journée. Et puis du coup, en fait, le soir, à la fin de cette deuxième journée, je me dis que j'ai plus rien à perdre maintenant, de toute façon. Autant que je me fasse plaisir sur la dernière journée, quoi. Et en fait, je m'enlève vraiment toute la pression du leaderboard, de tout ça. Et donc, en fait, la dernière épreuve, elle est vraiment... Enfin, sur le papier, elle est faite pour moi. C'est vraiment des mouvements sur lesquels je suis hyper à l'aise, que j'affectionne beaucoup. Et je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir sur cette épreuve. Et je la gagne. Et vraiment de finir les Games sur cette épreuve, de pouvoir la gagner et vraiment de faire une épreuve à la hauteur de ce que je suis capable de faire, c'était vraiment super important de pouvoir terminer là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment mon plus beau souvenir. That is her first event win of the weekend. Take that home with her to France. She caps her CrossFit Games on the highest of notes. I overthink, it's a hobby. I never learn how to copy.
Being yourself isn't all that you thought. Niggas gon' still put your ass in a box. What the fuck rap? They love singing and crooning. Most of these hoes is just rapping and moaning. Where that we rockin', we have to confuse them. DBZ, look at the way that we fusing. Rap with the rock, this the fuck how you do it. Pussy ass nigga, you going out stupid. We going up and I know that you hate it. After this year, don't you ever debate it.